Ah, ça c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui a rejoint? On est prêt. Alors, on n'a pas de quoi l'ancrer pour l'instant, on veut bien saboter, bien renvoyer dans la main, le portail c'est trop tard malheureusement, la fée ce serait si on jouait en deuxième. Ce tour 6 qui sera pas le cas, là on va jouer en premier, il nous faut créa quand même. Hein. Tant qu'à faire, tour suivant, 1 et 3, mais quelle catastrophe! Quelle catastrophe! Je vais être obligé de garder ça. Tu vas garder ça. Je vais virer le reste. Ah mais c'est ouf, hein! Ah, je vais perdre des deux côtés en fait. Intimidation, d'accord. Bah pour le coup, on est très content qu'il ait joué ça. Hein. C'est long, c'est long. C'est pas à nous de jouer ici, non. Ça y est. Alors pour 4, est-ce que je ferais pas un petit coup de... Un, deux, trois, quatre. Comme ça pour le tour d'après. Ou un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Tour d'après, j'ai 5. Garder notre petit disciple. Parce que je pense que ça va le faire. Et j'avance, et au tour d'après, il se mange un espionnage dans les dents, quoi. J'hésiterais presque à reprendre un espionnage pour continuer à avancer. Alors, le truc c'est qu'il va le rejouer si je fais pas le fugace tout de suite. C'est triste, mais. Enfin, le fugace, l'espionnage tout de suite. C'est triste, mais il faut le faire. Ah, ça marche qu'avec 3 ou plus, je crois. Je sais pas grand chose à faire malgré tout. Ah zut! On va pouvoir leur jouer à son tour. Ça c'est pas la bonne le Mumbai. Et si j'avais le monde permanent en main, l'autre j'aurais encore pu continuer à lui gérer, ça fait chier.
si je fais ça, je fais que plus 1, quoi. Il faut que je passe. Étonné qu'il leur joue pas, j'aurais rien à saboter, ce sera la catastrophe. Ils annoncent un nouveau héros. Non, ils l'ont pas annoncé encore. C'est pas moi, hein. Ouais, c'est pas moi. Ah, au moins j'ai l'entraînement, la méditation, c'est déjà ça. Allez hop, ça c'est bon ça. Ça c'est très bon, ça je vais le garder. C'est peut-être le champi que je garde pas du coup. 1, 2, 3. 5, 6, 7. C'est Baba Yaga que j'aurais dû garder. J'ai voulu être trop prétentieux avec le champi. Pas passer quand même parce que là je rejoue Baba Yaga. Et je passe ici. Oh, ça c'est balèze. Ça c'est dommage pour le coup. Jouer le rôle
l'autre côté, j'imagine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc 3. Ça fait 4, 5, 6, 7. Est-ce que je joue l'alchimiste en plus? Je pense pas. Est-ce qu'il va manquer un boost pour avancer? Oh, oh, oh. Balèze. Ah ça y est, on arrive enfin à faire fonctionner Nero quoi. De puissance une fois qu'on a pu ancrer, s'il a pas de contrôle le mage et le champi, c'est fini. Hein. Faut dire qu'on a eu nos ancrages coup sur coup. Ah. Là on est plutôt content. Je sais pas trop ce qu'il peut faire là. Ah, on voit le nom maintenant des personnes en face. Donc comme ça, si vraiment ça, il prend trop de temps, c'est super intéressant. Ou il joue, je sais pas pourquoi il n'y a pas de chat. Et c'est une très bonne chose, je pense. Il joue, il parlerait mal ou autre, bah, on le saurait. Ok. Alors ça, c'est intéressant. Ça dit ça, si, si, faut qu'on l'église. Excellent. Prends une fois qu'on pioche avec ce truc, c'est vraiment trop puissant. On va garder la furie du Kraken, c'est sûr. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, la fée des dents. On joue encore en jouant en deuxième, quel dommage, mais. Est-ce que c'est jusqu'à coup de 6? Non, jusqu'à un coup de 5. Ça ne fonctionnera pas. Alors tu joues quoi pour 4 mecs? Parce que moi j'ai encore et l'alchimiste et la furie du Kraken. Tu peux pas tester en fait, impossible. Et voilà, ça ça suffit. Même pas besoin de jouer de furie. Allez, excellent. On aura réussi à gagner avec un deck ce soir. Bon, et bah sur ce, bonne soirée à tous.